c'est Préparer Ensemble comme en 2012. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo où je me maquille parce que à la base je suis quand même maquilleuse. Personne au courant sur cette chaîne YouTube. Et vous me demandez quand même tout le temps de vous montrer comment je me maquille, comment je me coiffe. Surtout pour avoir ce résultat là, je vous ai jamais montré. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas, ça change. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi un peu grandi avec les tutos make-up sur YouTube. Ça se fait plus trop maintenant, un peu déçu. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'hab. 2 vidéos par semaine et on est bientôt... Oh ça y est, je peux commencer à le dire. Ok, on est bientôt 400 000 et je vous prévois un truc trop trop bien. D'habitude je fais toujours des petits événements, des trucs pour fêter ça. Là, je vous ai acheté quelque chose. Ça va être incroyable. Donc abonnez-vous à la chaîne. J'ai trop hâte de vous montrer. En vrai, ça fait des années, même si je change de produit, que je fais le même make-up, mais des années. Mais et même quand j'ai rencontré mon mec, je faisais ce make-up. J'avais ce make-up pendant notre premier date. C'est comme ça que j'ai séduit mon mec. Avec ce make-up. Je vais appeler comme ça la vidéo. J'aime trop commencer avec un petit spray. Ça, c'est celui de chez Caudalie. Je l'ai. Et en fait un jour j'ai vu une vidéo d'une mannequin qui montrait sa skincare routine et qui disait qu'elle appliquait ses sérums quand elle a eu le visage un petit peu humide et que du coup elle a eu le visage beaucoup plus hydraté après. Du coup ça fait genre des mois que je fais ça et c'est incroyable. Un peu de sérum, celui-ci c'est le Yuza de chez Herborian. Je suis pas un peu trop clair là? Oula! Le soleil! Petit contour des yeux, celui-ci c'est celui de chez Kiehl's à l'avocat, je l'adore. J'en ai vraiment une tonne, j'ai la peau hyper déshydratée. Crème hydratante, pareil c'est la Yuza de chez Herborian. Franchement j'aime trop cette gamme, elle est parfaite pour ma peau. Et cette crème, ceux qui aiment genre avoir des teints un peu glowy, bien hydratés, incroyable. Normalement j'utilise le Gua Sha, c'est un petit objet qui permet de masser le visage et vraiment ça m'a trop aidé. Et en ce moment je le fais pas et je vois que je commence à gonfler un peu. C'est un truc de ouf sur moi, c'est l'outil parfait. Ensuite, étape hyper importante, si vous ne la faites pas, c'est parce que vous êtes jamais en Corée. Et je comprends, parce que je le faisais pas autant avant d'aller en Corée. La crème solaire, moi j'utilise la Elta MD, elle est trouvable aux États-Unis, faut commander, les frais de douane sont horribles, c'est horrible de l'avoir. Mais pour l'instant c'est quand même la seule qui ne me fait pas de boutons. Ça me saoule parce qu'elle est un peu blanche, mais vraiment depuis que je suis allée en Corée et que... Enfin je peux pas vous expliquer en fait, faut aller en Corée. Ça fait un peu beaucoup du coup là, mais c'est un délire là-bas. Tout le monde met de la crème solaire, elles ont toutes une peau, mais de votre vie entière, bah vous avez jamais vu des peaux comme ça. Et en vrai j'ai un peu une phobie des rides, c'est un truc que je développe, je me dis j'ai que 21 ans, donc on est dans la... Mais du coup, psychologiquement, ça m'aide. En mettant de la crème solaire, je me dis que je fais quand même quelque chose pour pas trop avoir de rides. Notre peau est prête à recevoir du maquillage. Je mets tout le temps ce fluide sublimateur d'éclat de chez Armani, c'est la teinte numéro 2. Et en gros, c'est un highlighter liquide. Et j'en mets donc une pompe, deux pompes. Et j'en mets genre là, ici. Et en gros, je l'étale un peu partout pour avoir du glow. J'adore le glow. Ça rend trop bien. Et on peut aussi le mélanger à son fond de teint. Bon, moi, je le fais pas. Mais j'aime bien l'utiliser comme ça. Ça fait vraiment trop une peau glowy. Pour le fond de teint, j'en utilise plein de différents. Mon préféré, je pense quand même, de tous les temps, ça restera toujours le Luminoucil de Giorgio Armani. C'est un certain budget, mais perso, il me fait pas de boutons. Il est parfait. Pour moi, il est parfait. J'utilise la teinte numéro 4. J'utilise aussi beaucoup la Bébé et Super Bébé de chez Herborian. Une très très grande fan de ces produits. Et en ce moment, je suis en train de tester un Lancôme d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais partir sur le Luminoucil pour vous montrer vraiment la vraie routine make-up. Donc, je mets en général 2 pompes que je fais chauffer dans ma main pour bien faire éclater les pigments. Et je commence par le centre du visage. Faut trop que je vous raconte un truc un peu bizarre, mais j'ai besoin de votre aide, enfin de votre avis. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit que j'étais un peu spéciale, genre avec les gens. Non, attends, comment je peux... Non, je peux pas dire ça. C'est super bizarre, mais en gros, je suis pas sociable parce que franchement, j'aime bien discuter avec tout le monde, etc. En fait, j'étais au voyage presse L'Occitane. Alors, je vous tourne cette vidéo, c'était en début de semaine, pendant 3 jours. Je suis partie avec la team L'Occitane qui était incroyable. Et un soir, en fait, en faisant genre ma petite skincare routine dans ma salle de bain, j'ai regardé une vidéo de Tamara, je sais pas si vous connaissez. Elle parlait de la fashion week, enfin des trucs et tout, et qu'elle disait qu'elle avait une de ses amies qui lui a raconté qu'à l'époque, la première fois qu'elles se sont rencontrées toutes les deux, et ben elle pensait qu'elle l'aimait pas parce qu'elle lui a fait une réflexion. Enfin, Tamara, du coup, elle lui a dit oui, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, l'autre, elle a pris en mode tu mérites pas d'être invitée. Et après, du coup, Tamara, dans la vidéo, elle disait mais en fait, pas du tout. Et elle a pensé ça. Et du coup, les gens peuvent trop se faire une image de toi parce qu'on a chacun nos interprétations des choses alors que c'est pas forcément la réalité. Je me dis, moi, je suis sûre que c'est déjà arrivé parce que je suis quand même assez bizarre. Genre, par exemple, je suis une meuf qui répond pas aux messages. Alors, autant à vous, je peux vous répondre, mais alors à mes potes ou aux gens que je connais, genre j'ignore les messages, mais non pas que j'ai pas en mode j'ai pas envie de lui parler, je l'aime pas ou j'en sais rien. Je déteste les interactions par message, je déteste ça, mais je déteste ça. Genre vraiment, si t'as un truc à me dire, on se voit. Je vais utiliser, avant de continuer cette histoire, un correcteur de chez Nars. Il est dégueu, je suis désolée, j'ai pas lavé mes trucs, mais c'est vraiment mon make-up de tous les jours. C'est un peu orangé, c'est un peu pêche. Je mets ça sur mes cernes avant d'appliquer mon anti-cerne, sinon c'est gris en fait. Parce que j'ai des cernes trop prononcées, super. Je vais utiliser un anti-cerne, je peux pas vous donner la marque parce qu'en fait c'est un truc qui n'est pas encore sorti, donc je veux pas vous le montrer parce que j'ai peur de faire une gaffe. Ça sort l'année prochaine et j'adore, genre meilleur anti-cerne de l'histoire. Et du coup, Tamara, elle disait, en fait, il y a des gens, ils sont juste socialement bizarres. Et en fait, ça m'a tellement parlé. Genre, c'est tellement moi. Je suis tellement socialement bizarre.
Voilà. Et je pense que j'aime tellement être seule. Là, par exemple, l'Occitane, on est resté pendant 3 jours et ça s'est extrêmement bien passé. Genre, il n'y a aucun souci. Mais je sais que pour moi, c'est assez difficile de rester autant de temps avec du monde. Mais là, c'était cool. Mais je sais que, genre, par exemple, avec des gens avec qui il y a un peu moins d'infinité, vraiment, c'est pour moi, c'est très, très difficile, quoi. Je suis bizarre! C'est tout. Peut-être que je suis la seule, hein. J'espère pas. Je pense pas. Racontez-moi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un truc honteux qu'un jour vous avez fait? Moi, un jour, j'ai fait un truc. C'était pour un tournage. Bon, après, c'est pas hyper bizarre, mais ça peut être interprété trop bizarrement. Il y avait pas mal de monde. J'étais en mode... Too much for me. Et en fait, à la fin du tournage, bah, je suis partie, mais en vrai, j'ai rien fait de bizarre. Genre, je pense que la personne n'a même pas capté. Mais juste, j'aurais pu, genre, faire la conversation, blablater et tout. À la fin, je suis en mode, bon, merci beaucoup, moi, je vais y aller. Et après, en y repensant, je me suis dit, waouh, en fait, on dirait que j'étais vraiment juste là pour faire ma vidéo. Et j'ai calculé personne. Alors que pas du tout, je suis juste bizarre, en fait. Là, je vais faire mes sourcils. Du coup, j'utilise un crayon à sourcils de chez Benefit. Et j'utilise ça avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Ça me permet de plaquer mes sourcils. J'en mets pas beaucoup. Et je vais pas les remplir tout de suite parce que j'attends que ça sèche. Je vais continuer mon petit teint. Il y a Tarte qui ont sorti un truc comme Charlotte Tilbury. C'est franchement exactement la même chose. Mais j'aime beaucoup la teinte. Donc, j'ai commencé à l'utiliser. Et j'estompe avec l'éponge Herborian que j'adore. Ça s'estompe trop bien. C'est grave naturel. J'aime trop ce produit. Et sinon, en ce moment sur YouTube, je vois grave. J'ai vu McFly et Carlito qui arrêtent les vidéos pendant un certain temps. Il y a plein de créateurs qui arrêtent les vidéos, font des pauses ou se plaignent de YouTube. Et j'en ai jamais vraiment parlé. Mais c'est vrai que YouTube en ce moment, c'est dur de ouf. En fait, il y a tout le monde qui fait des vidéos hyper produites. Personnellement, je me sens pas concernée. Mais j'ai fait quand même des vidéos qui étaient beaucoup plus grosses que d'habitude et vous l'avez tous remarqué. J'avoue que je pense que c'est inconsciemment aussi à cause de ce qui se passe sur la plateforme. Et qui est, même si c'est moi aussi qui ai envie de sortir de ma zone de confort et faire plus de choses, mais c'est vrai que YouTube tend de plus en plus à faire des vidéos produites. Des vidéos qui coûtent très cher, des giga concepts, et tout le monde est en train de s'épuiser. Si tu fais des vidéos un peu genre des vlogs, des trucs qui n'ont pas forcément de but, et en vrai c'est ce que j'aimais trop et ce que j'aime toujours regarder sur YouTube, je mets l'highlighter de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize, l'applique au doigt. Et c'est vrai que en fait maintenant si tu fais ce genre de vidéo, t'as moins de vues qu'avant. Alors moi j'essaye vraiment de pas trop regarder les vues et de faire vraiment ce que j'aime, parce que je pense qu'à un moment si tu penses qu'aux vues, bah ton contenu ça devient plus ton contenu, ça devient juste un truc stratégique, et je veux jamais penser comme ça. Quand je vois certains créateurs qui ont genre à peu près même nombre d'abonnés que moi, et je vois qu'ils ont genre, ça se voit qu'il y a des, un peu des stratégies qui sont mises en place pour augmenter les vues ou j'en sais rien, mais ça se voit en fait que le contenu est assez stratégique. Personne ne me donne mon avis, hein, mais c'est juste un truc que j'ai remarqué. Bah, j'ai l'impression que moi, en faisant mes petites vidéos sans vraiment réfléchir à la stratégie et juste faire des vidéos qui me plaisent, bah je fais beaucoup plus de vues qu'eux. Donc je suis en mode, du coup, bah je vais pas changer, je vais continuer de faire mes vidéos qui me plaisent. Je vais mettre un blush de chez Milk en teinte Muse. C'est un petit blush crème comme ça, hein. Mais c'est vrai que l'algorithme, en fait, je pense que c'est à cause de TikTok aussi. On s'habitue grave à consommer genre des vidéos rapides, et du coup on est plus en mode des concepts, des trucs qui sont tac 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 tac, plutôt que des vlogs posés un peu plus doucement. Et en même temps je me dis, bon, si on va sur YouTube c'est aussi pour avoir ce genre de format, donc je sais pas. Et je vois tous ces créateurs du coup qui se mettent des grosses guerres psychologiques pour essayer de faire toujours plus et qui au final ne s'y retrouvent pas forcément, et du coup ils se retrouvent à arrêter un peu les vidéos ou faire des pauses. C'est grave dommage, et du coup c'est pas très attirant. Là j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je vais continuer comme ça et on verra où ça me mène. On va mettre un petit peu de poudre parce que maintenant j'ai fini d'appliquer tous les produits en crème. J'utilise celle de chez Laura Mercier depuis 10 ans. Je mets pas beaucoup de poudre comme je vous disais, comme j'ai la peau un peu déshydratée, sinon ça me fait une peau horrible. On va remplir nos petits sourcils du coup avec le crayon et je vais commencer les yeux juste après. Dites moi ce que vous aimez bien consommer comme style de vidéo, et si vous ressentez ça en tant que consommateur, ce truc de vidéo produit, est-ce que vous aimez ou je sais pas. On passe aux yeux. Du coup je fais toujours la même chose, c'est vraiment mon make-up signature. J'utilise 2 palettes de chez Charlotte Tilbury, la Pillow Talk et la Exaggerize. C'est vraiment le nom. J'utilise d'abord la Exaggerize, ce fard là, le nude, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je le mets dans le creux de ma paupière, juste vraiment légèrement. Et ensuite je vais venir prendre la Pillow Talk et je viens prendre le fard qui est foncé ici. Et je viens faire un petit trait de liner fumé. Mais je fais ça depuis toujours et c'est, je trouve, ce qui va le mieux à la forme de mes yeux. Si vous avez peur un peu de faire des liners, c'est trop un bon make-up. Parce que il n'a pas besoin d'être parfaitement symétrique, parfaitement fin. On peut le faire en 2 secondes, enfin c'est trop trop bien. Et on peut effacer en 2 secondes si vous faites des bêtises. Ensuite je viens prendre un petit pinceau fin et je reprends ma première palette. Je prends le fard blanc irisé là et je le mets en contourne tout simplement pour donner un petit peu de lumière. Recourbage de cils, Laura Mercier, mascara Bad Girl Band de Benefit, mon préféré de tous les temps. Il faut que je vous parle de chirurgie esthétique.
Et c'est vraiment, j'y pense comme ça parce que j'en ai parlé hier avec mon mec. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais alors rien du tout. Tant que c'est fait en pleine conscience et pour soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais si là demain je fais de la chirurgie esthétique, c'est pas prévu parce que déjà j'ai la phobie du sang. J'ai la phobie de tout ce qui est médical, jamais de la vie je pourrais me faire opérer. Mais si demain là comme ça, je devais choisir des trucs à changer et que je devais faire de la chirurgie, les vidéos m'ont fait remarquer un truc, et c'est pas les gens, heureusement, parce que sinon ça m'obséderait. J'ai grave une bosse sur mon nez, genre pas une giga bosse, mais j'ai une bosse sur mon nez. Je me disais, en vrai, je me ferais genre limer ma bosse. Et deuxième chose, je referais mes seins. Parce qu'en fait, ils sont grave petits. Et je suis pas du tout complexée. Genre, zéro complexe, je m'en fous. Juste, je me dis, quand je vois des meufs avec des seins genre super gros, incroyables. Oh, désolée, c'est un peu bizarre ce que je raconte. Mais je me dis, mais la vie, elle doit être trop bien en fait. Et parfois, je me dis, mais on a qu'une seule vie. Genre, ça se trouve, je kifferais trop avoir une plus grosse poitrine. Mais en même temps, je me dis, je suis pas complexée. Est-ce qu'il faut vraiment être complexée pour refaire un truc? Je sais pas. Bon, je vous rassure, c'est vraiment pas prévu comme je vous disais. Mais malgré tout, on a qu'une seule vie, vous voyez. Pourquoi regarder une grosse poitrine alors que je pourrais avoir une grosse poitrine? Peut-être parce que je l'ai pas eu naturellement et du coup ça sert à rien. J'en sais rien. Et voilà pour les yeux. J'aime trop ce mec alors. On n'a pas fini hein. Attention, on n'a pas fini du tout là. On va mettre de l'highlighter, celui de chez Charlotte Tilbury, j'adore. Il y a deux marques avec qui j'aimerais bien travailler, qui me calculent absolument pas. Wouh, je suis là au cas où. Ça m'arrive jamais vraiment de faire ce genre de choses, mais je vous adore donc pourquoi voilà. Pourquoi pas? Charlotte Tilbury et Benefit. Je suis désolée, Charlotte Tilbury, je suis votre plus grande fan. Et Benefit, excusez-moi, mais ça fait depuis 2010 que j'utilise vos produits. Je vous adore. Bref, l'highlighter Pillow Talk. Il est un peu rosé. J'en mets pas tous les jours de l'highlighter. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu. On est un peu fancy. Et je vais mettre un peu de blush. Ce blush de chez Chanel, c'est le 72. Il est incroyable. Il coûte une blinde, mais il dure toute la vie. Il est trop naturel, mais ça fait bonne mine. Trop beau. Ensuite, dernière étape du make-up, les lèvres. J'utilise deux produits. J'ai découvert un crayon à lèvres incroyable, le 606 de chez Make Up For Ever. Et ce que je fais, c'est que je mets un gloss par-dessus. Donc évidemment, je vais fondre tout ça. Parce que là, on dirait que je suis une tante de 40 ans en train de fumer ma cigarette dehors. Je vais appliquer pour ça le gloss Raspberry de chez R.E.M. Beauty. Je sais pas comment, si on dit R.E.M. Non, je pense qu'on dit R.E.M. Et il est incroyable parce qu'il y a une petite boule. Enfin bref, c'est froid, j'aime trop. Je vais un peu frotter mon contour des lèvres pour le fondre. Vous voyez le résultat? C'est grave naturel. J'adore. Et voilà pour le make-up, ça y est, on a fini là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon là, je l'ai fait en très très longtemps, une demi-heure je pense. Mais je peux le faire en 20 minutes, tous les matins. On va passer aux cheveux. Là, je sais que vous attendez ça depuis longtemps parce que je vous ai jamais montré. Mais j'ai une manière de me coiffer. Déjà de base, il faut que je vous dise, je suis nulle, mais nulle, nulle, nulle en coiffure. Je ne sais pas me coiffer, je ne sais rien faire. Mais depuis que j'utilise cette chose, vous allez voir. C'est un petit outil de chez GHD et cette chose me change la tête. Déjà, je vais mettre un peu de shampoing sec. En fait, ça me fait un effet brushing, un délire. On frotte bien et ensuite je vais faire mes petites sections. Donc là, il y a deux parties et juste je resépare en deux. Je prends les mèches et je tourne et j'insiste vraiment surtout sur les pointes. Le but, c'est pas genre de me boucler les cheveux, c'est vraiment de faire un effet juste brushing. Bon, vous voyez à peu près et c'est pas encore fini, mais ce que j'aime bien faire, c'est ici là, je fais ça pour avoir un peu plus de volume sur cette mèche parce que j'ai zéro volume, mes cheveux ils pèsent 400 kg. On va faire l'autre côté. Je reviens quand j'ai fini. Regardez l'effet que ça fait. Sérieusement, on dirait que ça m'a pris des heures, que c'est un coiffeur qui me l'a fait. C'est incroyable et ça va être encore plus incroyable quand je vais mettre ce produit. Alors, figurez-vous qu'un jour, je me disais mais ça va pas, mes cheveux ils sont blancs, je sais plus. Et je me souviens que j'avais reçu ce truc de chez Living Proof. C'est un shampoing pour le volume et le spray et la texture. Un shampoing, j'ai dit un spray, j'ai mélangé tous les mots. Tu l'appliques et c'est incroyable. Et vraiment, j'ai pris le risque parce que moi, les cheveux ça me fait peur. J'applique jamais rien de nouveau parce que je connais rien. Mais alors, ce truc, incroyable. En gros, je fais ça. Et là, je fais ça là. Et ça me donne un volume de malade. Enfin, j'ai vraiment ma routine genre cheveux que je fais tout le temps maintenant. Je l'adore. J'adore. Oh, mais c'est fini du coup la vidéo. Déjà, c'est passé trop vite. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bientôt 900 000. Oui, pourquoi pas. Bientôt 400 000. Je vous prépare vraiment des surprises. Donc j'ai trop hâte que ça arrive. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je suis active un petit peu tous les jours. Je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos de tous les produits. Comme ça, vous aurez un peu toutes les références. Et en attendant, nous, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. J'ai déjà hâte. Bisous.